Yo les gars, c'est une star. Alors cette introduction, ça fait déjà très longtemps que je ne l'ai pas fait, à tel point que je l'avais oublié. Mais bon, comme vous l'avez remarqué, sur le titre de cette vidéo, on va prendre un nouveau départ. Car il s'est passé pas mal de choses que j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo. Comme par exemple le fait que mon compte officiel que je jouais sur Bloxwii a été ban de Bloxwii. Pas de Roblox. Normalement, comme vous pouvez le voir, là je suis sur mon profil Roblox. Et là, si je rentre sur Bloxwii, voilà, on a qu'à attendre quelques minutes, voilà. Et donc du coup, dès que ça m'ouvre Bloxwii, en fait, ça me met que je ne peux pas jouer, voilà. J'avoue, c'est un peu chiant qu'on ne peut plus jouer à Bloxwii, mais c'est parce qu'on les ban. Donc, les raisons du ban n'ont pas été marquées dans le bannissement en elle-même, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que j'avais pas mal de haters et qu'ils ont fait de leur mieux pour faire en sorte pour que je sois ban. Mais bon, ce n'est pas ce qui va nous arrêter pour autant. Cela fait déjà un mois que je joue sur un nouveau compte qui s'appelle Subtutunost, mais aussi Eva aussi a un autre compte parce qu'elle aussi a été ban, comme vous pouvez bien l'imaginer. Donc, voilà ce nouveau compte que je vais jouer actuellement. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis dessus et que je ne l'ai pas du tout up. Une des raisons sur laquelle je jouais constamment sur le compte d'Eva, parce que je trouvais que son compte, il était très chouette par rapport à mon nouveau compte. Même si j'ai eu quand même l'occasion de faire des PVP avec un youtubeur pour pouvoir obtenir son titre exceptionnel qui se nomme Mafia Gang. Enfin non, c'est plutôt le youtubeur qui se nomme Bloxy et le titre qui se nomme Mafia Gang. Ouais, le titre il est quand même assez sympa une fois que tu l'as, parce qu'il fait quand même partie des titres exceptionnels que seuls les youtubeurs peuvent drop. Je pense que c'est le titre 52 en effet. Donc je l'ai déjà utilisé dans des lives récemment. Et rien que la couleur de ce titre là, il est quand même très très bon en fait. Je kiffe trop la couleur de ce titre. Bon, on va pas parler de ce titre, mais on va parler plutôt de l'avenir de la chaîne actuellement. Ce que j'en pense, perso je dois faire pas mal de vidéos, comme par exemple aussi up ce compte sur l'argent, les fragments, mais pas que les fragments, on a aussi besoin de monter les masteries des fruits et les guns, faut pas oublier. Oh, j'avoue, j'ai rien fait, mais bon, j'ai eu quand même l'occasion aussi d'obtenir une blessing de ice, voilà, c'est la glace, mais c'était un peu compliqué pour l'avoir. J'avoue, il y a pas mal de choses que je dois farm, comme par exemple cette nouvelle sword que j'ai pu obtenir, la fox lamp, mais aussi à pouvoir débloquer tous les autres fruits que je n'ai pas en perme. J'avoue, il y en a vraiment une centaine que je n'ai pas en perme. Même quand je pense que Dragon je l'ai pas, et aussi Kitsune et Léopard, voilà, ça fout la haine. Mais je dois aussi faire en sorte de pouvoir quand même augmenter mon store, parce que j'ai perdu tous les fruits, parce que quand même c'est un nouveau compte. Donc du coup, il faut quand même savoir quand même que j'ai plus rien. C'est pas comme sur le compte d'Eva que j'ai fait en sorte pour qu'elle puisse tout obtenir, même si elle a que 12 Kitsune sur 15, mais malheureusement elle n'a pas de dragon, donc il va falloir faire en sorte pour qu'elle puisse obtenir des dragons. Par contre, wesh, elle a beaucoup de Bouddha, j'avais pas remarqué. Bon, là je peux pas rider Kitsune, ni dragon, ni aussi de ton truc qu'elle a en perme en fait dans son inventaire. Wesh, même portal, parce qu'elle a déjà tout ça. Ce nouveau départ qu'on a décidé de faire sur YouTube ne sera pas réalisé que sur YouTube, mais aussi dans le serveur Discord. Un nouveau salon vient d'être créé qui se nomme Giveaway. Et dans ce salon de base, comme les gens ils aiment bien les giveaways, on a décidé d'en faire tout le temps. Voilà, tous les 48 heures, on va lancer un nouveau giveaway qui aura soit des fruits normaux, soit des fruits perm, ou soit d'autres trucs, des Game Pass, quelque chose comme ça. Par exemple, là, je vais faire quand même une pour vous montrer qu'on va directement faire un petit giveaway avec le bot de Dino. Ouais, celui-là, il est quand même pas mal pour quand on veut faire. Je vais faire directement une dans le salon giveaway, en effet, dans laquelle on mettra un gagnant, parce que c'est bien s'il y a un gagnant, ça fait un peu de suspense. Une duration de 24 heures, ou plutôt c'est bien 48 heures. Ouais, on va plutôt mettre 48 heures. Et on va donner un Kitsune, voilà. Par contre, étant donné que Eva a beaucoup de Kitsune, on va sortir un Kitsune physique. Comme ça, au moins, on pourra le donner à quelqu'un. Et donc, on va juste que ping everyone pour pouvoir faire l'annonce. Ouais, on espère juste qu'il y aura pas mal de gens qui vont venir dessus. Avant de sortir cette vidéo, j'ai réfléchi d'abord à plusieurs reprises comment je pourrais faire pour retrouver de nouveaux concepts. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des concepts à me conseiller, mais sauf qu'ils ne le savaient pas. Donc, waouh, je vais de random un bombe. Donc c'est pour ça que sur le serveur Discord, un nouveau salon vient aussi d'être créé dans lequel les gens, ou plutôt les abonnés ou la communauté, pourra écrire leur concept. Donc chacun pourra écrire un concept tous les 6 heures, je pense. Comme ça, en fait, ça évitera que les gens spamment. Et donc je prendrai quel est le bon concept. En y réfléchissant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le skin de Tunost a été littéralement modifié de A à Z. Donc du coup, l'ancien skin qui était blanche de Tunost ne reviendra plus, d'après moi, normalement. En même temps, c'est un peu le but dans lequel on a décidé de prendre un nouveau départ. C'est le fait de tout changer de A à Z, vraiment de tout changer. Mais mis à part ça, j'ai quand même envie de mettre ce nouveau nom qui va être TW-Tunost, et toute personne que je trouverai en game avec le nom TW au début de son nom, je lui donnerai un cadeau.
un fruit PM, une Game Pass ou une fruit physique, tout dépendra de ce que j'aurai directement sur moi. De mon côté, je vais juste faire le maximum pour pouvoir prouver à la communauté que je suis de retour et que maintenant je suis vraiment de retour car j'ai décidé carrément de tout abandonner pour revenir sur YouTube. J'ai quand même lâché mon taf, ma famille, un peu de tout ce que j'avais de très important. Tout ça pour pouvoir revenir. C'est pour ça que à partir de maintenant, je ferai des vidéos de façon régulière. Bon, maintenant on se rapproche à la fin de cette vidéo. Du coup, je voulais vous présenter quelqu'un de très important. Il s'agit du streamer Twitch qui vient de débuter et qui aimerait bien avoir votre soutien. Je trouve quand même qu'elle en mérite plus car elle fait des lives quand même tous les soirs et que je pense que si vous allez dans l'une de ses lives, vous n'allez jamais le regretter. Du coup, voilà son nom qui est affiché là ainsi que sa chaîne Twitch. Elle a aussi d'autres plateformes comme sur TikTok, sur Instagram. Normalement, que vous pouvez directement les voir sur sa chaîne Twitch. Donc, sur ce, n'hésitez pas à la follow sur Twitch afin qu'on puisse lui faire au moins les 1000 followers avant février. Sur ce point, si vous allez dans l'une de ses lives, n'hésitez pas à dire que c'est une autre qui vous a invité. Je pense qu'elle sourira rien qu'en voyant ce message. Sur ce, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et comme vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui arrive dans pas longtemps.